Allez, salut à vous tous qui venez de me rejoindre sur ce direct, c'est Gemma. Encore un direct Gemma, les amis. Actuellement, on est au métro Palais de Justice, qui est à côté du Palais de Justice. Comme tu peux t'en douter, départ d'une manifestation, cortège de rêves. Rêves, R-A-V-E. Regardez un petit peu, il y a un gilet jaune. Il y a de la pancarte, il y a un chien et il y a un message. Stop répression. La musique. Ne l'enfermez pas. Libérez la musique libérée. Vous avez vu, il y a... De la prison pour du son? Vraiment? Cortège de rêve, donc toujours les teufeurs, les adeptes des free parties qui manifestent parce que, eh oui, les organisateurs, une petite dizaine d'organisateurs qui se sont occupés d'organiser, vous savez, le 31 janvier, la free party de Lyon, eh bien, qui risque beaucoup, beaucoup de prison. Et donc, le monde des free parties qui est pas content, quoi. Allez. Je vais vous filmer un autre message. Stop à la dérive autoritaire, résistance. C'est vraiment ce que pensent les gens, qu'il y a une dérive autoritaire dans notre pays. Certains parlaient d'un déferlement autoritaire. Bon, ça arrive par vagues. Une loi après l'autre. Salut à toi. Street Medics, gilet jaune. Clac la mise. Et la police, bien sûr, comme d'habitude, la police. Alors les amis, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Donc, vous avez un cortège ici qui a commencé à se réunir à partir de 13h, palais de justice. Enfin, il est là, le palais de justice. Et c'est le cortège des toughers. Ils sont là, ils sont un petit millier là, je pense. Enfin, plusieurs centaines, je sais pas trop, j'arrive pas trop à compter là. Pas mal de camions. Voilà, ils revendiquent la liberté, le droit à s'amuser, et ils manifestent contre la dérive autoritaire. Du gouvernement, du moins c'est leur avis. À 13h30, à l'autre bout de la ville, en haut des allées Jean Jaurès, si tu suis régulièrement mes lives, c'est au niveau de l'Arche Marengo, je crois, c'est là où j'ai commencé le précédent live, celui où il y avait les enseignants, les étudiants, etc. C'était mardi, je crois.
Et ça, c'est le cortège contre la loi, le projet de loi sécurité globale. Et ces deux cortèges, ils vont se réunir à un moment donné dans l'après-midi. Et ça fera un grand, grand cortège. Voilà. Alors le cortège contre la loi, le projet de loi de sécurité globale, s'appelle également la marche des libertés. Vous savez qu'il y en a d'organisés partout dans la France. Il y avait un grand cortège, un appel national qui a été lancé pour manifester à Paris. Alors je sais pas trop s'il y a beaucoup de monde ou pas. À partir de midi, je crois, eux, ils ont commencé. Et donc à Toulouse, nous aussi, on a répondu à l'appel. À Bordeaux aussi, je sais qu'ils commencent à 14h aussi. Montpellier, etc. Alors, on ne sait pas trop ce que ça va donner ici. Faut dire que le temps est... Alors le temps est pas très beau, même si on bénéficie d'une magnifique accalmie. En fait, il y a même le soleil là. Donc c'est super agréable depuis plusieurs jours. Plusieurs jours, mais depuis hier soir, il fait que de pleuvoir. Et ils ont annoncé pas mal de pluie aussi aujourd'hui, cet après-midi. Après cette accalmie, ça devrait tomber à verse en fait. Et de plus en plus, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'après-midi. Alors pour l'instant... touchons tous du bois, ça se passe bien et on a même le soleil qui s'est invité à la partie quoi. Manifestation qui devrait durer assez longtemps, je pense. Hein. Pour terminer sur mon idée, avant que je vous fasse le point de météo, c'est voilà, donc les deux cortèges qui se réunissent. Et puis bon bah le point commun de ces deux cortèges, bah, c'est la liberté. Voilà, la liberté. Contre la loi qui va sécurité globale, hein, qui va imposer certaines restrictions de liberté et faciliter la surveillance des gens, hein, la surveillance par les moyens vidéo, par l'intelligence artificielle, etc. Et puis tu vois que bah, tu peux même plus 2000 jeunes peuvent même plus faire la fête au bout de 8-9 mois de confinement, couvre-feu, faire la fête à 2500 dans un hangar. Le 31 janvier, bah tu vois, c'est criminalisé, donc ça, c'est un scandale ça. Et ça, je pense que ça participe beaucoup au fait que la jeunesse se révolte en ce moment, tu vois. Faut pas criminaliser, et même si c'est une grande fête, d'autant plus qu'on n'a pas, que je sache, identifié de cluster qui est parti de Lyon, donc la Bretagne, qui fait toujours partie des zones les moins touchées, les plus épargnées. En ce qui concerne la propagation des virus à coronavirus, la Covid-19 et ses variants. Donc voilà quoi. Alors on m'a demandé de filmer la ville, y a pas grand chose à filmer, hein. On va attendre. Hein. Les gens sont en train d'arriver, regarde là t'as encore un petit groupe. Un petit drapeau de tête de mort, drapeau de pirate, hein, quand même tu sais. Petite pancarte aussi derrière. Donc ça arrive par-ci, par-là. Et puis on commence à entendre du son sortir des enceintes. Le DJ que j'ai filmé tout à l'heure, pour ceux qui sont avec moi depuis quelques minutes déjà, est un petit peu déçu parce que la dernière fois ils étaient tous en queue de cortège quoi. Ils se sont dit oh, cette fois-ci on va se mettre au milieu pour être un petit peu plus visible, pour montrer qu'on est là et tout. Alors là il y a un grand message aussi, je peux te le lire de loin. 20 ans de piraterie, tu vois, je te parlais du drapeau pirate. Drapeau de la liberté, hein. Loi de la mer versus la loi de la terre. Donc nos marins, nos flibustiers, ils sont là. Ta prison ne nous arrêtera pas. On va s'entendre quelques clameurs qui montent. Bon, bah ça va être sympa, hein. On va suivre ça. On va se diriger, hein, je pense, d'ici à 14h, ça va commencer là. Et on va se diriger, à mon avis. Je sens bien qu'on va partir côté Grand Rond. Ça fait un grand, grand, grand chemin jusque Jean Jaurès. Hein. Il faut qu'on aille tout droit. Là, il y a au moins 800 mètres de ligne droite, peut-être même un petit kilomètre. Non, il y a 800 mètres. Après, faut qu'on tourne sur les boulevards et on va encore faire un bon kilomètre avant d'arriver à Jean Jaurès. Un petit kilomètre et demi même. Donc, plus les teufeurs, ils sont pas du genre à avancer très vite. À moins qu'on passe par là. Par la place du Salin et qu'on pique direction Capitole, je sais pas trop comment ils vont faire. Je pense pas, parce que tu vois, t'as déjà de la police qui est ici. Et je les ai pas montrés, mais vous avez tout le long du palais de justice, comme à l'habitude, où il y a des manifestations, des événements, des actions qui sont engagées, commencées
du palais de justice, ils se garent souvent le long. Et alors ils sont même plus garés le long, tu vois, puisque ça y est, ils ont mis les fourgons en travers du boulevard. Et là c'est clairement non, on repiquera pas pour passer par le Capitole, on passera pas par la place du Salon, quoi. Alors pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce matin, il y avait une manifestation, manif pour tous. Hein, aujourd'hui, il y avait la manif pour personne aussi, contre manif, qui n'a pas été autorisée, etc. Bon bref, je ne sais pas trop s'il y a eu du monde. Moi j'ai pas filmé. Voilà, j'ai laissé les collègues montrer un peu ce qui se passait, je sais pas trop s'il y avait du monde ou pas. Apparemment ça a fait un peu flop l'une comme l'autre, quoi. Et normalement la manif pour tous, tu vois, ils partent toujours de la place du Salon. C'est tout de suite à droite, derrière le palais de justice, tu vois. Alors je vais lire un petit peu vos commentaires. Ce faisant, je vais vous montrer ma trombine. Salut à tous. Ils sont où la manif pour... Bah eh, tiens, bah, alors, je viens juste d'en parler. Pierrot, ils bloquent déjà, bah oui. Melvin, montre-nous la ville. Bah ça va être un petit peu compliqué, Pierrot, parce que bah, on n'est pas dans un endroit super intéressant de la ville, hein, voilà. Je t'ai montré le palais de justice. Là-bas, je te dis, hein, c'est les allées Gilles Gade. Ça se termine par un grand jardin tout en rond, qu'on appelle le Grand Rond. Et voilà, il n'y a pas d'architecture particulière à te montrer par le palais de justice. Bon, c'est un palais de justice, quoi. Et la fontaine qui est sympa, que je t'ai montré tout à l'heure. On est un petit peu au-delà de l'hypercentre, donc c'est super intéressant. Ça vient de péter. Pendant longtemps, entre 12h40 et 13h20 environ, plutôt vers le monument aux morts, quelqu'un peut-il nous renseigner? Le monument aux morts, il est très 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 loin de nous, là. On est à 1 km du monument aux morts, je peux pas te donner d'informations. Tout autour de moi, je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que il n'était pas forcément prévu qu'il y ait quelque chose au monument aux morts. Je sais que la PPL, ils partent à 13h30, donc ça fait 20 minutes qu'ils doivent être en train de marcher. Je pense pas qu'ils soient déjà arrivés au monument aux morts, et je suis même pas sûr qu'ils... Oh si, peut-être qu'ils se dirigent vers nous, ouais. C'est de plus en plus fort là, ça commence à me casser les oreilles. Non, j'aime bien. La vidéo... Merci Dianushka, tout à l'heure, on se rejoint vers 15h, hein, ok. Salut Dianushka, salut Lydianine. Ton image est pleine de pixels, bah ouais, je suis désolé. J'ai un téléphone qui est pas top, donc ça marche plus trop comme avant. Salut Adelkit. Vous êtes à quel métro? Voilà, bah t'as indiqué, voilà. Donc pour rappeler pour ceux qui nous rejoignent, on est au palais de justice. Métro au palais de justice, ligne B. À 2 petits kilomètres de Jean Jaurès. Et donc c'est un cortège de rêveurs, tuffeurs, free party, pirates qui vont bientôt partir, je pense. On va partir à 14h, je pense. À Paris, c'est très tendu déjà. Il y a un peu de lacrymo et pas mal de monde. Anonymous, salut Anonymous, merci pour ton information. Bah à Paris ils ont commencé à midi, tu vois, donc et c'est vrai que quand j'ai regardé 2-3 petits lives là avant de venir, et c'est vrai qu'il y avait une forte présence policière. J'ai regardé le live à Yassine, hein, c'est Vicio, et je vais y filmer les CRS, quoi, donc c'était évident qu'ils nous attendent, hein, ils vous attendent de pied ferme. L'événement était annoncé depuis un moment, ils savent que ça bouge, ils savent que les gens sont pas contents, que potentiellement il y a... Ça peut vraiment drainer beaucoup de monde. Allez, on va dire ça comme ça. Donc ouais. Là c'est super, on te voit bien. Super, bah cool. Est-ce qu'il y a des antifa? Bah je sais pas. Non, je pense pas qu'il y en ait par là, quoi. Ça me semble pas, non, pas d'antifa. Je pense que déjà les antifa ils sont rarement là en bloc en début de manif. Alors de toute façon ils sont là, mais je les... Et peut-être tout à l'heure, je sais pas. Enfin, je viens de faire un amalgame, parce qu'Antifa, c'est pas Black Bloc, en fait, c'est pas la même chose.
Allez, je vais repasser devant le cortège. Je vais vous montrer quelques camions et tout. C'est pas des mecs d'EDF, hein, c'est des gens de la LDH, de l'observatoire et tout, des pratiques policières. Il y en a un, il a carrément le casque avec la GoPro attachée dessus, quoi. Ah mais vous devez peut-être voir à l'envers là. Faut que je retourne ça. Défense de nos libertés. Honneur aux gilets jaunes, on lâche rien. C'est pas les gilets jaunes, c'est les toughers, hein. Ouais, il doit probablement y avoir des gilets jaunes aussi ici. Enfin, on en a vu un d'ailleurs. Ça fait la fête. Mais c'est une honte! Mais regardez-moi tous ces gens là! Et regardez-moi tous ces gens en train de faire la fête réunis là! Ah, c'est à cause de vous! C'est à cause d'eux qu'il va y avoir le reconfinement! Mais c'est inadmissible, c'est irresponsable! En tôle! Foutez-les en tôle! Non mais je déconne, mais ce matin j'étais à la poste quoi! Eh ben je suis tombé sur une petite mamie! Et bah c'est le discours qu'en gros qu'elle m'a tenu quoi. Casser les bonbons à quelqu'un parce que il était trop proche d'elle quoi, tu vois. C'est à cause de vous qu'on va être confinés. C'est inadmissible. Oh putain, je ne supporte plus les gens qui font des réflexions dans l'espace public par rapport à la Covid quoi. Et qui accusent les gens d'irresponsables, d'assassins, etc. quoi. Mmh.
Ah, oh, sinon, vous, ça va comment? Et du coup, elle m'a dit. Ah, bah, ça y est, regardez. Ils sont en train de s'équiper. Attention, le cortège se met en mouvement. Les gens sont en train de danser. Équipez-vous, les gars, équipez-vous. Je répète, équipez-vous. Non, mais sérieux. C'est dangereux. Regardez ces dangereuses personnes. Je les filme pas trop, hein. Vous connaissez la politique sur Direct Gemma. On essaye de protéger les gens du mieux qu'on peut tout en essayant de vous montrer un maximum de choses. C'est pour ça que vous allez voir assez souvent ma petite trombine. C'est pas que je suis narcissique et que j'aime me regarder, mais je préfère vous parler et me filmer que filmer tout un tas de trucs parfois, vous savez. Hein. Romain Claude-Pierre, salut à toi. C'est très dangereux. Pensez courage. Bon, je pense que la plupart des livers, ils ont choisi cette manif. Grosse, ouais, il y a pas mal de livers, on est pas mal à filmer. 1, 2, 3, 4, pas mal de sigmedics, pas mal d'observateurs des pratiques policières. 1, 2, 3, 4, 5, 5 par-ci, je sais qu'il y en a d'autres par-là aussi. L'événement Facebook du cortège de rêve, donc la manifestation sur laquelle on est en ce moment, où on se trouve, pour laquelle je suis en train de filmer pour vous, l'événement Facebook qui a été supprimé, pouf, envolé. Et donc qui a été recréé à la dernière minute. Donc ça, généralement, c'est aussi un indicateur que le pouvoir sert de près et observe attentivement ce qui se passe. À chaque, c'est vrai que c'est pour les gros événements que ça s'est produit. Pour les gilets jaunes, je me rappelle, c'était vraiment, ça pouvait se produire, mais c'était vraiment quand on s'attendait à un grand truc, quoi. Seb, Sébastien, tu m'as l'air motivé.
Yaya. Bonjour, c'est fait, tous les partages. Faites bien attention à vous, bravo, Marseille est avec vous. Salut Marseille, salut à toi, merci. N'hésitez pas à vous inspirer de Fatia si vous voulez partager ce live. Bah faites-le. Si vous voulez le partager dans les groupes, si vous voulez le partager sur votre page. Si vous voulez le partager par mail ou que sais-je. N'hésitez pas à liker, mettre un petit j'aime aussi et puis n'oubliez pas de vous abonner à la page aussi. Allez, belle ambiance. Soutien de Paris et nous on soutient Paris aussi. En retour. Si tu rejoins ce live, c'est Gemma. On est en direct du palais de justice. C'est ce bâtiment là. Un cortège de rêves. Rêve R-A-V-E. Autrement dit, une manifestation de teufeurs vient de s'élancer. Direction le centre-ville. On va au grand rond, on tourne à gauche, direction Jean Jaurès. Les teufeurs, comme la dernière fois, ils sont en mouvement, ils manifestent en soutien à leurs camarades, une dizaine de personnes, ils sont neuf je crois, avoir été mis en garde à vue, avoir été certains même ont été incarcérés à titre préventif, pour avoir organisé la teuf de Lyon. C'est en Ille-et-Vilaine, Rennes, Bretagne. 2500 personnes ont fait un réveillon ce 31 décembre. 2020, et ça a pas pu. Ah, ça a pas pu, les images sont passées à la télé, etc. Alors là, l'indignation s'est mise en route et fallait leur trancher la tête. Alors là, garde à vue, etc., ils ont pris cher. Bon, on fait la fête. Rappelle que les jeunes, ils craignent rien contre la Covid. Tranquille. Je crois, j'ai entendu ce chiffre, je sais pas s'il vaut, mais je crois qu'il y a moins de... Il y a eu 60 morts du coronavirus parmi les gens qui ont eu genre moins de 45 ans, quelque chose comme ça quoi, enfin c'est dérisoire. Alors voilà, ils sont accusés de propager le virus, d'être des irresponsables, des assassins. Alors là ça passe pas, depuis ils se mettent en mouvement et peux-tu mettre ta pancarte? Ah ouais merde, je la filme à l'envers, faut que je retourne la caméra. Ça, je m'y ferai jamais. Hop là. Le gouvernement tue la culture, mais jamais ne tuera notre détermination. Ok. Tu peux nous en dire un petit mot, vite fait? Non, ça va? Merci à toi, en tout cas, pour la pancarte. Moins que la grippe, la Covid fait moins de dégâts chez les personnes saines et bien portantes que la grippe. Voilà. Mais voilà... Les personnes âgées, etc., sont en psychose totale. Le virus de la peur a infusé chez elles. Je vous ai raconté tout à l'heure mon anecdote à la poste. Des anecdotes comme ça, je pourrais vous en raconter plein. Sûrement que vous aussi, vous en avez vécu. Des gens qui pètent des plombs, quoi, parce qu'on est un petit peu trop proche d'eux, par exemple, et qui nous chient dessus, quoi. En mode, on va les tuer, on est irresponsable. Et alors là, Macron, elle a super bien fait son truc, pas Castex. Parce que si on est reconfiné, ça sera de notre faute. C'est la faute aux gens, ils sont irresponsables, etc. Ça ajoute à mon énervement général par rapport à cette Covid de merde là. Enfin du moins à la gestion de la Covid. Bon bref, revenons à nos moutons, ou revenons à nos teufeurs plus exactement. Donc ils sont mis en mouvement. Là on a plus de 1000 personnes, je sais pas combien on est peut-être 1000-2000. Au drapeau pirate. J'ai vu les cuissons des Antifa, effectivement, pour répondre à la question d'une personne qui me demandait tout à l'heure s'ils étaient présents. A priori, c'est le cas, je pense. Des gens qui défendent la culture, t'as vu, je viens de filmer une pancarte. La culture qui souffre. Voilà, ça va pas. Les gens, ils comprennent pas. Tout à l'heure, je suis allé faire les courses. Le magasin, il était blindé de ouf. Tu sais, c'est comme limite, comme... Salut à toi.
Il était blindé, tu sais, c'est comme un jour où... Fête de fin d'année un peu, tu vois, tu veux pas, tu veux te faire ça, te décaler. Tu... Ah, attendez, ah, et là t'arrives à attraper ton paquet de PQ en vissant le bras entre trois personnes. Non, franchement, c'est pas raisonnable tout ça. D'ailleurs, Toulouse, ville la grande métropole la plus épargnée en termes de coronavirus jusqu'à présent. Et apparemment, là, c'est l'une des villes dans laquelle ça est en train de décoller et d'exploser le plus fort. Le confinement, il y a eu un article, je crois que c'est 20 minutes. C'est 20 minutes ou c'est Actu Toulouse, je sais plus trop. Bon, bref, un média mainstream, mais pas genre pas TF1 quoi, qui a fait un article pour dire que le couvre-feu à 18h avait fait plus de mal à Toulouse que de bien. Et les gens se sont agglutinés dans les magasins, comme certains avaient dit. Alors on savait pas trop. Apparemment, il y a peut-être des départements pour lesquels ça a un bon effet. Et par contre, là où il y a des grosses villes, ça a un effet inverse, quoi. A priori, du moins selon l'article. Dans le cas de Toulouse, c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est un truc qui est en train de péter là, de ouf. Ah, les prochaines semaines vont pas être agréables, amis toulousains. Bref. Et voilà. Donc que vous dire? Je vais essayer de... Tiens, il y a la banderole de tête. Je vais la filmer, je vais la retourner la caméra. Ah, ça se retourne pas facilement ça. Des clés de sol, pas des clés de bras. Voilà. Ouh là, le français, quoi. Je fais énormément de fautes dans ma diction, c'est ça. Salut à toi, je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Ouais, eh ben oui. Tapé sur l'épaule, comme ça. Rappelle pas. Eh, vaut mieux deux fois, pas du tout, hein. Oh là, regardez. Sur cette rue-là, sur notre gauche, c'est la rue, je sais pas quoi. La rue Ozen, bah oui, la rue Ozen. La rue Ozen qui est pas en mode zen. Tu vois ça? Bon, caméra est de mauvaise qualité. Hop, on va prendre l'objectif principal. Le câble qui me fait des misères là. Le camion à eau, il est prépositionné, mais regarde quand même. Même s'il y a le camion à eau, c'est impressionnant. Déferlement de déploiement de force, les amis. Quelques fourgons également, mais. Tu remarqueras qu'ils ont leur calot et qu'ils ne sont pas casqués. Donc, a priori, voilà, on est en train de tel un... Tu vois, moi, quand j'observe ça, j'ai l'impression que... qu'on est un troupeau de moutons. Enfin, je suis pas en train de dire que les toughers, c'est des moutons ou quoi, tu vois. Mais tu vois, quand... tu vois, sur les rues perpendiculaires, qu'il y a les keufs, gendarmes, police, etc., CRS, PRI, truc, bidule, CSI. J'ai l'impression qu'on est des moutons, en fait. C'est comme, tu vois, quand tu montes dans les montagnes, dans les Pyrénées, tu sais, t'avais le berger à l'ancienne, avec son chien, tu vois. Puis... Le chien, il va sur le côté et puis il guide les moutons, tu vois. Il dit aux moutons, allez, vous allez par là. L'étable, c'est tout droit. C'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est tout droit. Donc, bah, nous autres moutons, on est en train de nous diriger vers... le grand rond, petit arrêt, vite fait, devant cette fameuse rue Ozen, devant laquelle, enfin, bouclée par la police. C'est la police, ma petite dame. Mais oui, les policiers sont là. Bravo la police! Grâce à vous, les voyous, ils vont pas nous embêter. Regardez-moi ces voyous qui dansent. Non, mais c'est pas possible, ça. Non, mais regardez, il y en a un, il a un drapeau pirate. Mais enfin, mais c'est quoi, ça? Oh, non, mais franchement. Ah, mais il y a même la jeunesse, c'est plus ça, hein. Oh là 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 là. Bon, les blagues à part. Eh, regarde, je te le refilme vite fait. Ça y est, ça commence. Je sais pas quelle heure il est, 14h. Écart, les petites gouttelettes qui... Les premières qui tombent cet après-midi. Voilà. On a eu un peu de soleil, je vous l'avais dit, hein. Je vous avais fait ma Evelyne Delia, là. La Gemma Delia. Le soleil, la pluie qui va arriver en milieu d'après-midi. Et donc ça va faire que s'aggraver. Pour l'instant, ça va, on peut marcher. Il y a trois gouttes sur l'écran.
c'est pas dérangeant, mais ça va s'aggraver là de minute en minute. Hein. Tu imites trop la vieille. Désolé David. Mais c'est à cause de vous qu'on va être confiné, mon pauvre monsieur là. Non mais franchement. Bande de feignasses. Vous pouvez pas traverser la rue et y trouver du boulot. Non mais regarde-moi ça, ils ont les cheveux orange, ils ont les cheveux violets, mais c'est n'importe quoi. Bande de feignasses. Je sais plus c'est quoi cette musique, non mais franchement. Il va falloir leur apprendre les valeurs, hein. Moi si vous voulez avant, c'était mieux. Mais oui, mais c'était mieux avant, avec Beethoven, Chopin. Bon. Il fallait presque prendre des parapluies. Eh ben regarde. Hop, moi j'ai emmené le mien. Parapluie pliable. D'ailleurs je vais même pas le ranger parce que je sens que d'ici à quelques minutes je vais l'utiliser. Alors, vous les voyez, ils sont derrière moi. Ça va être un petit peu délicat parce que j'aimerais bien en interviewer quelques-uns, mais enfin, c'est un petit peu compliqué avec la musique, tout ça là. Je sens que ça va pas être évident quoi. J'adore, tu nous fais ça jusqu'à ce soir. Bah peut-être. Alors Philo Tavares, salut à toi. Apparemment ça te fait marrer. C'est une rue très bourgeoise. Et c'est effectivement quelque chose qu'il faut préciser. Sociologie des quartiers de Toulouse. On est quand même là, on est là, c'est bourgeois là. Là on n'est pas. Là c'est pas le mirail quoi. Là, sans déconner. On a le palais de justice, hein. Donc on imagine qu'à côté du palais de justice, bah t'as les avocats qui habitent. Peut-être des juges, etc. Moi je sais pas. Je dis ça au hasard, j'en sais rien du tout en fait. En tout cas des gens de bonne famille, vois-tu, voilà. Il y avait il y avait des gens là, vous savez là, qui luttent contre le racisme anti-blanc, supposément. Racisme anti-blanc. Bah, généralement c'est là ils font leurs actions là, dans la fontaine que je t'ai montré, il y avait une action dans cette fontaine. Là. Voilà, pour te donner. À la fac de médecine, je crois que c'est à la fac de médecine, t'as un musée aussi, musée botanique, je sais pas, jardin des plantes, je sais pas quoi, muséum de sciences, je sais pas, bref. Que te dire de plus? Tu as passé devant chez moi, hey, allez des soupirs. Il y a plus d'enfants qui meurent en tombant d'une chaise par an. Faudrait interdire les chaises. C'est vrai ça, Claudia. Ça, c'était quand je parlais de la Covid. Ouais, ouais. On reconnaît ceux qui séchent les cours. Ah oui, vous parliez d'orthographe plutôt de certains messages, je pense. Faites attention à vous. Non, mais parfois, tu sais, moi, je sais pas. Bref. Ce que tu fais, merci à toi, c'est cool. Vas-y, continue à m'envoyer des compliments, j'aime ça. La moto. Alors.
calé sur le petit pont moi aussi. Pour vous montrer le... Le cortège vu d'en haut, c'est sympa. C'est le scout ça? Moi je pensais que c'était jaune le scout. Salut Juju! Moi aussi je t'aime bien! Ouais, il y a un petit peu de monde, ouais, ouais, carrément Romain, et encore t'as pas tout vu là! Allez, on va redescendre. Bon, il y a les scouts bleus. Voilà, le bleu. La couleur des bleus. Futur policier. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer là, mine de rien. Vu que je filme, faut que je vous montre des trucs quand même. Petit arrêt devant les keufs, non? Ça continue. Alors ce qui est intéressant de remarquer, bah, c'est ces fameux parapluies multicolores que je vous ai déjà montré. Hommage, c'est en train de devenir vraiment le symbole de la loi, enfin de la contestation de la loi de sécurité globale. Parce que c'était le 12 décembre à Paris, hein, il y avait beaucoup de gens qui ont été arrêtés, il y a notamment une personne qui a été arrêtée qui avait ce parapluie. Elle le portait depuis très longtemps, plusieurs mois, plusieurs années même, durant les manifestations. Et puis bah là, ils ont dit, ouais, quand la nana elle lève son parapluie, elle déclenche c'est un signe pour déclencher les heurts des Black Blocs, quoi. Alors ils ont dit ça à la télé et tout. BFM, sans sérieux et tout. Enfin, sérieux, je sais pas si on peut mettre BFM sérieux ou pas. Alors, j'avais dit que je taillais plus BFM là. Oui, bonjour madame. Et c'est, alors là, c'est le cortège de rêve. C'est donc une manifestation de toughers, des gens qui font des cris partout. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des camions, du son, etc. Voilà, il n'y a pas de quoi. Exactement. Bref. Vous avez vu comme je parle bien aux gens dans la rue. Voilà, donc ils ont dit oui, voilà, c'est un déclenchement, déclenche le bloc. Non, en action. Alors, vous avez vu, c'est la BAC qui vient d'arriver là.
ambiance. Ça fait un peu genre tibétain, tu vois. Ouvrez vos chakras. Ouais, je vais faire gaffe, ne vous inquiétez pas. Je suis à la cool aujourd'hui. Robin, allez, bonne journée tout le monde. Merci pour ton live, merci à toi. Bonne après-midi. Les clés de sol, allez, les clés de bras. Et voilà, petite pause. Allez, pour ceux qui nous rejoignent, c'est Gemma, direct Gemma les amis, on est en manifestation aujourd'hui. Je filme en direct. Nom officiel de la manifestation, cortège de rêve, rêve, R-A-V-E, rêve comme rêve party. Free party, tougher, pirates se sont réunis pour faire part de leur vif mécontentement face à leurs camarades qui ont été incarcérés, eh oui, premier de l'an. Ils ont fait la fête, enfin ils ont organisé les fêtes. Hop, prison. C'est interdit ça, monsieur. Comment ça? Comment ça? Vous osez faire la fête, hein? Vraiment? C'est irresponsable. Bon, alors hop, c'est ce qu'on leur a dit. Et mine de rien, ils risquent 10 ans de tôle. Hein. 10 ans de tôle ferme. Hein. Donc les gens, bon voilà, ils sont un petit peu en mode... Faut pas déconner, tu vois. Forte présence policière, hein, on l'a vu ensemble. Grâce à mes images, depuis tout à l'heure, on observe quand même beaucoup de... Attendez, hop, faut tourner la caméra. On voyait ma petite trombine. On a vu quand même beaucoup, beaucoup de forces de police. On a vu, il y a déjà la BAC. Enfin, la BAC est là. C'est pas cool. La dernière fois que j'avais filmé, c'était il y a 2 semaines, je crois, non? Je sais plus. Mais en tout cas, rappelez-vous, il y avait une voiture qui avait foncé dans la foule. Quoi. Ça s'était terminé comme ça. Quoi. C'était chaud. Quoi. C'était vraiment mal fini. Alors, je me suis pas renseigné sur cette personne, j'ai pas eu de nouvelles, mais a priori, ça, elle a été à l'hôpital et ses jours n'étaient pas en danger, etc. Elle est partie consciente. Hein. Donc voilà, sûrement quelques séquelles, je n'en sais pas plus que vous. Non, je ne vais pas leur faire un bisou. Non. En marche, hein, à côté de la contestation. Vous entendez encore les... Ah, il y a un camion qui a lâché les basses. Donc voilà, les camions, ils ont loué des camions, les types, je pense. Donc que ce soit leur camtar. Ils ont peut-être loué. Parce que ça, c'est un truc qu'ils font aussi, c'est que les forces de l'ordre confisquent les camions et le matériel de sono. Bah, ça pique, hein. Donc voilà. Oui, jusqu'ici, comme on dit, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Moi j'ai eu de leurs nouvelles. Ah cool, bah, si tu peux nous vite fait nous renseigner. Ils vont bien. Moi j'ai eu de leurs nouvelles, ils vont bien. Ok, cool. S'ils vont bien, c'est bien. Alors on est en train de se diriger vers un deuxième cortège. Il va y avoir une jonction de 2 manifs. Après ils vont faire des hurrahs et tout. Ouah. C'est un baba, ton gueule, contre moi. Manif contre la loi PPL. Projet de loi de sécurité. Enfin le PPL sécurité globale. Projet de loi contre. Enfin pour la sécurité globale. Pour la sécurité globale. Le projet chinois. Projet de loi chinois.
à la chinoise, hein. En gros, t'as droit d'utiliser, les forces de l'ordre ont droit d'utiliser les drones. C'est marrant les drones d'ailleurs, parce que comme ça tu vois un peu comment ça fonctionne. C'est que d'ores et déjà, les forces de l'ordre utilisent les drones. Voilà. Moi j'étais à Bayonne, le G7 là, il y a 2 ans. Bon, ils utilisaient des drones. Puis régulièrement quand même, ça m'est arrivé de voir le drone flotter au-dessus de ma tête en train de me filmer, de m'identifier, etc. Mais c'était pas autorisé. Alors du coup là, tu vois, ils sont en train de voter la loi pour régulariser quelque chose qui était jusqu'à présent illégal. Bref. Et tu vois, de l'intelligence artificielle pour pouvoir identifier les têtes des gens, etc. C'est la 5G aussi. Tout ça, ça va ensemble. C'est quoi le but de la 5G? Ah, c'est pas de t'implanter une puce, bidule, machin. Ah, je suis pas un complotiste. Hein. Mais par contre, la 5G, c'est la grande possibilité, c'est de pouvoir connecter tous les objets. Tous les objets possibles et imaginables. Tu pourras mettre des caméras partout, par exemple. Hop, tu les connectes au réseau. Puis, tu fais travailler l'intelligence artificielle. C'est ce qu'ils font en Chine. Et puis on sait que Monsieur Bidule, enfin on sait que lui, c'est Monsieur Bidule, machin. Il a une voiture, voilà sa plaque d'immatriculation, voilà son numéro de sécurité sociale. Il y a 2 ans, il y a eu une amende, etc., etc., etc. Il est marié à Madame Truc, 2 enfants. Tout ce qui est possible. Bah tiens, il y a 10 minutes, il était dans l'autre rue. Ce matin, il est parti, il est allé aux courses Carrefour. Etc, etc, c'est ouf. C'est à ça que ça sert à 5G. D'ailleurs Huawei, ils sont vachement avancés là-dessus. En Chine, ils sont vachement avancés sur ce truc-là. Moi je pense que ça va te perdre. 5G et surveillance globale de la population. Donc du coup ils sont en train, tu vois, ils mettent la 5G. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont avancé sur la 5G durant le premier confinement. Ils ont mis les antennes et tout, puis tu vois, très très rapidement, ils font la loi de sécurité globale. Bref. C'est mon côté complotiste. Hein. C'est mon opinion, c'est mon analyse, hein. C'est pas une information en tant que telle. Je te donne. Allez, tu voulais voir le monument aux morts, le voici. C'est lui qui voulait le voir. Rue de Metz, force de police. Et ouais, et du coup avec la 5G on pourra mettre des puces partout par exemple. Genre dans tes vêtements. Après, il y a des start-upers, ils feront des trucs du genre « Ah, t'as perdu ci, bah vas-y, grâce à mon application, je le géolocalise, je sais pas, ton t-shirt, tu vois. » Ça se trouve, quand t'achèteras une canette, bah dans ta canette, il y aura une puce GPS. Et si tu jettes ta canette par terre, bam, amende, mec! Ça, la 5G, c'est ça que ça va permettre. Cortège, il arrive. Je marchais plus vite qu'eux, en fait. Partez pas, je filme la manif, c'est que j'étais plus vite que la manif, restez. Les gens, la manif elle arrive. Regardez, elle est là-bas alors. Allez, c'est Gemma, je filme pour vous, manifestation. Je suis avec les toughers. Il y a une autre manif, hein. Je sais ce que j'étais en train de te dire avant que je parte en freestyle. Salut toi. Contre la loi sécurité globale, eux ils sont plutôt vers Jean Jaurès, on les rejoint, on arrive. Trop par où on passe. De toute façon, par là, c'est bloqué. On va passer derrière moi, là, par les boulevards. Pierrot, il nous dit c'est pour ça que les émetteurs crament. Ouais, il y a eu 2 émetteurs, a priori, qui ont cramé là cette semaine à Toulouse. 2 antennes. Vous êtes pas bien bavard, qu'est-ce que vous racontez là?
Vous avez jamais été trop bavard sur Facebook, c'est plutôt sur YouTube où les gens ils disent plein de trucs. Alors bah tiens, bah, en parlant de ça, je vais pouvoir vous dire 2-3 news. Ouais, alors si je fais pas de live sur YouTube en ce moment, c'est parce que je suis striké. Parce que la page Vécu et la page MGL France, entre autres, ainsi que d'autres gens pas sympas, ont striké la page sur YouTube. Parce que pendant un moment, on faisait des multi-lives. Et genre, ils ont pas aimé. Et ils nous ont striké. Donc on peut plus faire de live sur YouTube. On est restreint, quoi. Donc ça me fait vachement marrer en ce moment de voir ces deux pages justement en train de chialer, en train de dire ouais on nous bride, on est censuré, alors que eux-mêmes ils ont censuré ma page quoi, parce que mon mode d'expression leur plaisait pas quoi, sans avoir cherché de terrain d'entente amiable et amical quoi. Le couvre-feu est à 18h. Et donc, par rapport à ça, j'ai rien d'autre à dire, donc c'est bien de le rappeler assez souvent, hein, qu'ils ont censuré ma page, ils ont fait censurer ma page. Donc je ne les soutiens pas en ce moment, du coup. C'est le karma pour moi, tu vois. Puis c'est doublement karmique, parce que je vais t'expliquer un autre truc, mais avant, faut que je te dise que sur Facebook, on est également restreint. De la page n'atteigne pas beaucoup de monde, on est vraiment sous le boisseau. Pourtant la page direct Gemma elle est plutôt propre en fait, on a juste eu un averto qui date du 19 septembre, donc ça fait plus de 3 mois. Et l'avertissement il part pas. Normalement il s'en va au bout de 3 mois je pense. Donc nous on est en orange sur la direct Gemma. Et jusqu'à présent ça faisait qu'on avait une visibilité réduite. Et c'est vrai que, à l'instar d'autres pages, depuis une semaine environ, on a une grosse baisse de la visibilité de nos publications. Et du coup, sans raison, puisque la qualité de notre page, elle a pas, la qualité de ma page, je suis tout seul maintenant, la qualité de la page, elle a pas évolué, tu vois. Et au contraire, je suis en train d'attendre qu'elle se rétablisse à son plein potentiel, ce qui devrait être le cas, parce que bon, bah, d'un moment, si t'as rien, entre guillemets, si t'as rien fait pendant plusieurs mois, logiquement c'est censé revenir à la normale. Et ben là, c'est pas ce qui s'est passé, on a eu une grosse chute cette semaine. On a été censuré mais personne nous. Enfin, Facebook nous a pas dit qu'on était censuré alors qu'ils nous ont bien censuré. Bon, bref. C'est très 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 pénible de travailler sur les réseaux sociaux quand on fait de l'actualité et de l'information pour ces raisons-là. Et voilà. Et sinon, les autres pages sont censurées. Alors, je sais pourquoi la page est censurée, la page direct Gemma. Hein. J'ai pas. Parce que Facebook, ils sont en train de faire un gros travail pour. Facebook est en train de faire un gros travail pour entre guillemets nettoyer les pages complotistes suite à ce qui s'est passé le 6 janvier aux États-Unis plus tout ce qui se passe par rapport au coronavirus. Ils sont vraiment en train de dégager les pages entre guillemets sur lesquelles il y a des complotistes ou voilà donc. Et nous on a quand même pas mal partagé de choses sur la coronavirus etc. On a partagé des vidéos de Raoult pendant un moment. On a partagé des vidéos de Toussaint, etc. Bon. Même si on essayait de faire le boulot, parce que quand je partageais Toussaint, je mettais. Par exemple, il y a une vidéo, je mettais en parallèle ce que disait Catherine Hill et ce que disait Jean-François Toussaint. Bah après, c'est vrai que dans les commentaires, il y avait plus des commentaires en mode ouais, Toussaint, il a trop raison, Catherine Hill, c'est une conne. Alors je sais pas, c'est pour ça qu'on est strikés. Et les autres pages aussi, c'est pour ça qu'elles sont strikées, parce que bah, par contre, eux, ils diffusent beaucoup de fake news Covid. D'ailleurs, j'avais déjà piqué une crise par rapport à ça en disant, mais c'est pas possible, il y avait des trucs à partager, c'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Et donc, bah, les pages qui font vraiment n'importe quoi viennent de se faire mettre en rouge. Et ça a pas à voir, je sais pas. Ça n'a pas tant à voir avec le fait que c'est de la censure, mais que le fait que ce soit
la diffusion de fake news, quoi. Donc quand c'est de la diffusion de fake news avérée, c'est passé rouge. Et quand c'est un peu diffusion vidéo, un peu limite, tu vois, ou peut-être parce que sous mes publics, il y a des gens, il y a beaucoup de complotistes peut-être qui commentent. Alors moi, je suis pas passé rouge, mais ils m'ont censuré quand même, tu vois. C'est important pour moi de dire, Chris Vapotor, puisque le thème de la page Direct Gemma, c'est de parler des médias et de parler de ce qui se passe et de lever les fakes. Alors moi, quand je parle médias, je te parle de tous les médias. Ça veut bien dire BFM, ça veut bien dire les mainstream, mais ça veut dire aussi les soi-disant alternatifs, quoi. Et donc, on va tout. Moi, je débunk que tout, hein. À Rennes, le week-end dernier, l'installation de quelques enceintes a immédiatement déclenché une charge violente agrémentée de gaz lacrymogène et d'un canon à eau. Moins de 18 mois après la mort de Steve, assassiné par la police lors de la fête de la musique à Nantes, les autorités continuent de s'acharner sur la fête libre. La stratégie de quelques élus zélés est précisément de s'opposer à la contestation grâce à l'usage disproportionné du pouvoir dont ils disposent. Mais nous ne les laisserons pas agir impunément et nous comptons bien nous opposer à ces pratiques. Les lois liberticides qui tentent de faire adopter menacent la quintessence faible dont tu nous animes. Cette fois, je dis de liberté. Les lois nous condamnent de cette affaire-là avec surveillance individuelle et généralisée. On peut tout former dans la cible de nos étudiants à protéger le pouvoir à cadre. Donc voilà, les amis, c'est en train de rappeler un petit peu tout ce qui a pu se passer contre la fête libre ces dernières semaines. Du matériel saisi. Salut. Du matériel saisi. Des gens emmenés en garde à vue. Alors Xavier nous dit, on voit plus les lives de ta page et d'autres sur Facebook, sur les fils d'actualité, il faut les chercher. L'année dernière, on les voyait direct, maintenant on voit juste les personnes seules. Je comprends mieux, Cimer, pour ton explication. Ah ouais, c'est que j'apparais plus, c'est pas étonnant. Ouais. Donc maintenant, plus que jamais, il faut que vous partagiez. Parce que c'est vrai que moi aussi, c'est un truc dont je me suis aperçu, c'est vrai ce que tu dis. Que moi-même, ce matin, quand j'ai cherché les lives sur Paname, avant, tu cliquais sur tu cliquais sur vidéo, tu mettais en direct et tu tombais sur toutes les vidéos en direct et notamment sur les vidéos qui t'intéressaient. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vachement les manifs, tout ça. Et je tombais sur plein de vidéos de manifs et là, je tombe sur plus rien. C'est vrai. Merci à toi pour le partage des coups. D'autant plus condamnable de faire censurer, de faire fermer les pages des collègues pour des motifs futiles quand le système attaque les gens, tu vois, attaque les indépendants. Au moins ça permet de voir le vrai visage des gens, quoi. Côté pile, on est contre la censure, côté face, on censure les gens. Côté pile, face, tu vois. Donc, c'est important de le dire. Il y a pas mal de monde, hein, franchement. Je descends de mon piédestal.
on veut que nos lives ils soient vus, va falloir qu'on paye les publis maintenant quoi, va falloir qu'on sponsorise. Ça me ferait mal un peu. Ok, cool, merci. On a vu, on a eu l'info en direct. Second, salut à toi. Salut les gars. Salut. Alors regardez, tout droit. Les Cerbères. Les Cerbères ou pas? C'est les gardiens un peu. Bah, Cerbères, c'est les gardiens de l'enfer. Bon, ça voudrait dire que la manif, c'est l'enfer. Non, c'est pas des Cerbères alors. Ah, les gardiens sont là. Pourrait-on dire un petit peu avec une pointe de malice et une pointe de vice les bergers allemands? Non, c'est pas bien. On va choisir un autre nom aussi. Ou être entouré d'avocats, bah non, ça sert à rien. Facebook, ils sont en dehors du droit. S'ils ont envie de censurer les gens, ils censurent les gens. En plus, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une espèce de cour suprême. Je voulais pas expliquer ça encore, je sais pas si vous l'avez vu. En gros, ils ont mis enfin un organisme interne de contrôle, et c'est interne. Hein. Attendez, je vais être obligé de vous lâcher là, parce qu'il faut que je grimpe sur ce truc là. Donc ça va tanguer, ça va faire tout droit. Ah, allez. Ils ont mis en place voilà une cour suprême quoi. Et c'est encore une fois c'est interne quoi, c'est eux qui choisissent. Ils sont en dehors de la loi quoi. Beaucoup de gens, c'est impressionnant. Hein. Bon, on va retourner le truc parce que protection des gens, comme d'habitude, protection des gens. Moi, je filme un petit peu depuis tout à l'heure, mais pas non plus trop forcé, quoi. Le liveur, la liveuse livée. Alors voilà à quoi ça ressemble quand on live. Salut les gens, coucou. Salut à elle, salut Diane. Tu le vois pas, mais là, il commence à pleuvoir. Regarde, elle se couvre, elle. Parapluie de sortie.
c'est dommage, ils sont pas bien regroupés quoi, parce que je peux pas trop vous montrer la masse de gens. Ah oui, la bac au coin du bâtiment. Ouais, tu vois là, il y a un gros trou. Et puis là-bas, il y a un gros paquet de gens encore. Du coup, c'est impressionnant, mais ça aurait pu être encore plus impressionnant, quoi. Gilets jaunes, regardez, il y a des gilets jaunes, hein, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, multicolore, 6, 7, 8, avec les parapluies multicolores. 9. 10, 11. Camion à ses adeptes. Oh ouais, non mais eux ils tapent fort là. Ambiance là-bas. C'est pas fini, t'as encore des camions, tu vois. 1, 2, 3, 4, putain, ça continue au loin encore. Putain, c'est impressionnant en fait. Là, tu te filmes le loin là-bas, le lointain. Tu vois. C'est un truc de ouf. Vous floutez de notre gueule, on veut du poulet, pas des potatoes, pas des patates, pardon. Techno feeling, ah, je veux le temps de le lire celui-là. Et ça continue encore et encore. Je suis sûr, ils sont encore au monument aux morts. Donc, autant vous dire qu'il y a du peuple. Alors attendez, parce qu'il va falloir que je descende de mon piédestal là. Ça va être un petit peu compliqué. Il y a
difficulté étant la pluie et que ça glisse. Aux enfants en prison pour le crime du sang. Pas mal. Voilà, vous avez vu, les slogans, ils tournent tous à peu près autour du même truc. C'est que le monde de la fête libre, il est pas content qu'il y ait des gens qui ont été criminalisés pour avoir fait un peu la fête, tu vois. Et ça va, quoi, c'était la fête le premier de l'an, quoi. C'était pas fête sauvage pour un jour normal, quoi, tu vois, c'était exceptionnel. Et alors là, ils ont pas aimé du tout. Tout en sachant que on apprend quoi ? Qu'à Paris, à Marseille, il y en a eu à Toulouse aussi, il y a eu des bars clandestins, des restaurants clandestins. Et en plus, à Paris, qui c'est qui allait dans ces bars et ces restaurants ? Des keufs ! Des médecins ! Le gratin ! Le quota parisien, les amis ! Parce que c'est trop dur. Imagine, ils sont en train de te dire... en train de me dire, de nous dire à tous, il faut faire des efforts. Eux, ils vont au travail tranquille, sur les plateaux de télé, t'as vu, ils ont pas les masques, ils s'en foutent, là, ils sont tous tombés malades. Et le soir, allez hop, au resto clandestin, tranquille. Aïe, aïe, aïe. Et les jeunes, eux, ils font ça tout le temps, tous les jours, hein. Et les jeunes, eux, ils ont fait une fête, une seule fête. Et ils sont criminalisés, quoi. Bon, alors ils revendiquent à leur façon. Et ils ont décidé de faire la fête le samedi. Ils manifestation fête. Et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est la fête, on voit des points, ouais, en l'air. Ça fait la fête, quoi. Merci, merci, merci pour vos commentaires. Est-ce que les policiers dansent la moulaga ? Ça me fait marrer parce que je regardais une vidéo d'un médecin un peu célèbre et animateur. Et il est en train de monter les gens pour que les restos soient ouverts le 1er février. Et il a dit justement qu'il fallait inviter les keufs et tout, il fallait leur préparer une petite table. On peut plus continuer d'agir chacun, chacune dans nos coins. Salut à toi. C'est ce que le gars dit. Faut se réunir. Et pendant ce temps-là, la manifestation contre la PPL, sécurité globale, qui a commencé à se réunir à partir de 13h30, en haut des allées Jean Jaurès, et qui, une heure et demie plus tard, est toujours est au milieu des allées Jean Jaurès. Je sens comme j'identifie comme une petite volonté de pas faire jonction avec le cortège des TFR. Allez, te faire, c'est mal vu, quoi. Ah, bah ça. Allez, j'ai un petit peu vos commentaires. Henriette, merci Djemadine, merci Henriette d'être présent sur mon live. Dimitri, Amio, est-ce que les... Oui, bah j'ai déjà lu ça. C'est beau, ça rappelle les manifestives.
de 2001-2006, nous dit Fred Pibard. Soutien du 29, ça jamais été la lune. Allez, on va essayer d'entrer dans le cortège, de montrer des choses. Alors, salut à toi. Alors, à noter aussi que j'ai beaucoup focalisé sur le fait que c'était un cortège de rêve. Mais vous avez également d'autres gens qui se joignent à ce mouvement. C'est un mouvement pour la liberté. C'est un mouvement général qui est en train de se lever contre le... Pour appeler un chat contre une espèce de... Il y a un petit quelque chose totalitaire dans le pays, tu vois. Contre la loi de sécurité globale, contre ceux qui criminalisent les free parties. À Toulouse, vous avez des lieux très célèbres et des lieux libres, de liberté, qui sont en train de se faire fermer. Vous avez une espèce de bar guinguette populaire. Tu pouvais venir t'asseoir au bord de la Garonne avec tes propres boissons, etc. Ça a été rasé au bulldozer. Vous avez Mixar Miris qui a reçu une fermeture administrative. C'est un lieu qui héberge 60 artistes de la culture populaire. Vous avez le DAL 31 qui est menacé d'expulsion à la grave, etc. Donc il y a un vrai mouvement qui est en train de se lever pour la liberté contre... Et ça suffit quoi, ça suffit de criminaliser les gens, de leur envoyer les bulldozers, des coups de pied au cul et les keufs, etc. quoi. Et donc, ce qui est intéressant dans toutes ces manifs, c'est que ça tourne toujours un peu autour de cette thématique de liberté et de répression et de totalitarisme. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, là on a les artistes, possiblement peut-être Mixar Miris, qui sont venus. Et ils ont fait des petites décos et je vais vous les montrer.
voir que face à cette morosité ambiante, voilà, je monte ma tête. Face à cette morosité ambiante, ce qui est surprenant, c'est ce contraste de vie qui est en train de s'exprimer dans la rue. On le voit avec les chants, la danse. Est-ce que tu penses toi aussi ? Il y a plus de monde pour l'événementiel que pour la loi globale. Mais ils sont ensemble maintenant. Alors aujourd'hui, ouais, mais vraiment, là-bas, il y a deux mondes là-bas. C'est énorme, ouais, j'en viens, c'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Bonne journée. Ciao. Ouais, on a besoin de faire la fête, on a besoin de se libérer, on a besoin de... Vous avez vu ces visages qu'on a vus, ces visages souriants, ces gens qui... Tu sens que là, il y a un truc qui s'exprime, qui sort. Et c'est quand même, ça fait du bien de voir ça, de voir des gens... Là, il n'y a pas de problème de psychologie, de je sais pas quoi, de... Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vois des gens en consultation, le confinement, ça va pas. Bah, tu vois que ça peut, il y a des moyens très simples pour que ça aille, quoi. Pierrot, franchement, croyez-vous que ça fasse sérieux cette manif ? Unissez-vous, au lieu d'être chacun de votre côté, Pierrot. Mais ça y est, les gens sont unis. Ça y est, il n'y a plus qu'une seule. Est-ce que c'est vraiment en train de fondre ? Ou est-ce qu'ils veulent passer et pour. Je sais pas, mais là pour l'instant, tout le monde est à peu près au même endroit. Hein. Donc voilà, vous aviez donc la fête libre. Nix Armiris aussi, les artistes, les chanteurs, les musiciens qui étaient avec nous. Démarrage, Palais du 6. Et vous avez un petit peu ce qui était institutionnel, vraiment, qui se sont focalisés sur la loi contre la sécurité globale. Eux, ils sont partis de Marengo, tranquille, ils ont sorti les drapeaux. Je vois des drapeaux de l'UCL, je vois Force Ouvrière, je vois la France Insoumise, ils sont venus avec une banderole. Je vois le parti de... Parti de gauche, je vois CNT, je vois CGT, je crois, je vois plein de gens, NPA, etc. Donc tu vois plutôt les assos, les politiques, les institutions. Salut à toi. Et ça continue à arriver. Je vois quelqu'un qui a un parapluie, il a mis un gilet jaune autour, c'est sympa. Regardez le drapeau d'Ital. Le peuple est dans la rue. On a vu une Marianne tout à l'heure, on peut retourner la voir. Parce que j'ai pas trop focalisé sur elle. Pareil, moi j'étais de l'autre. J'ai pas vu. La prochaine fois. Elle est où notre Marianne ? Regardez, Extinction Rébellion. Allez, on va chercher Marianne. Eh, du jaune fluo, hein ? Oh salut! Eh vous pensez à toi? Ouais, ça va. T'as 2 minutes après? Ouais, ouais. Je te donne une information de premier rang. Attends, je suis en live. Faut que je coupe le son ou pas? C'est comme tu veux, moi je m'en bats les couilles. Vas-y, dis-moi. Ok les gars! Les gars, allez voir sur internet, l'ivermectine. 84% d'efficacité, 35 études cliniques. Maintenant ça monte à 55 en double randomisé, ok? Donc maintenant il peut foutre la faire à l'envers. Hey, 90% d'efficacité en préventif. En préventif. C'est des enculés, ils sont en train de nous tuer. Ils veulent pas traiter les gens. C'est des enculés. L'Inde est en train d'envoyer des kits avec justement l'ivermectine, la doxycycline et le zinc. Ok? Renseignez-vous bien. Il y a 40% de réduction de mortalité sur les traitements graves, avec des gens qui ont des symptômes graves. Ok? Maintenant ça suffit. Je te dis, mon pote, les toppers c'est les meilleurs. Et moi je dis, les toppers, regarde, on se fera une quête et après on appelle les restaurateurs. Et voilà, tu vois, et on fait une bouffe sur la place de Toulouse. Et voilà, tu vois, et on dit, voilà, monsieur Boudin, voilà, il y a les toppers, c'est pas les gilets jaunes. Et nous on est là pour faire la fête, pour vous rêver.
réveiller un peu. Ok, ok, ok. Tout le monde a sa place, tout le monde, tout le monde. Ça, c'est ce que je comprends pas. Pourquoi les restaurateurs et les barman ont pas fait un truc, ils se sont pas liés à... Ils veulent pas parce que c'est un peu de gilets jaunes et tout, et c'est les ennemis héréditaires, tu vois. Ils ont trop tapé sur les gilets jaunes pour venir un jour en manif avec eux, c'est impossible. Mais regarde, juste là, t'as le cardinal où ils accueillent les gilets jaunes, t'as le bar là à côté de la FNAC où ils accueillent des gilets jaunes. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont fermés aussi. On a vu comment on s'est retrouvés dans des gros casages. On a eu des barman, des restaurants qui nous ont ouvert leurs portes pour protéger justement les flics. Et ils sont pas là, c'est ça que c'est ce que je comprends pas. Chacun fait sa petite guéguerre dans son coin, mais eux sont en train de crever aussi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Attends, regarde. L'ego. Ouais. Ouais. Et puis il faut dire qu'ils ont, ils ont eu des trucs aussi. Hein. Et au niveau du tout, ils ne valent pas. IVR, meta.com. IVR, meta.com. Vous l'avez là. Ok, cool. Oh, merci. Ouais, bah, écoute, c'est. Ouais. C'est ce qui est dommage. C'est dommage. Après, il faudra pas qu'ils viennent pleurer s'ils mettent la clé sous la porte. Quoi. C'est ce qui est. C'est navo. Pour l'instant, ils ont les aides, ça va aller. Mais tu vas voir que quand ils vont rouvrir, je sais pas quand tout va s'arrêter, je sais pas trop. Sur le moment, ils ont des aides. Oui, c'est ça. Sur le moment, c'est ça. Là, on est en train d'emprunter à l'Europe. On emprunte à l'Europe, quoi qu'il en coûte. Le fameux quoi qu'il en coûte, il va falloir repayer derrière. Quoi qu'il en coûte pour vous, pour nous, hein. Oui. C'est ça, ouais. Et on va finir comment? Comme la Grèce. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça le truc. C'est. De toute façon, on sent tous que ça va mal se finir, hein. Oui. On sent tous que. Oui. Et on comprend. Et là où tu vois que c'est suspect, c'est que. Confinent, etc., ils donnent des sous, mais ils font rien vraiment pour arrêter la maladie. Il n'y a pas de test, il n'y a pas d'isolement, il n'y a pas de. On dit pas aux personnes âgées, on leur dit si pas des masques, on leur dit on pourrait faire des horaires différenciés, enfin on pourrait faire plein de choses. Et en fait, on fait rien. Alors, au début, tu peux dire ok, t'es dépassé, mais au bout d'un an, si tu fais rien, c'est que c'est une volonté de rien faire. On est d'accord. Donc, du coup, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi ils ne font rien? Après, c'est pareil, on nous parle, donc il y a eu le Covid-19, le variant anglais, le variant sud-américain, t'as le variant brésilien qui est en train d'arriver. Ouais. Après tu vas voir quoi? Le variant russe, le variant japonais, le variant chinois V2. C'est ça. C'est hallucinant. Si tu veux, je lâche encore une bombe atomique là, maintenant. Allez, vas-y. Lâche encore une bombe atomique. Bon les gens, allez voir René Quinton. Depuis 1900, on le sait très bien que l'eau de mer ça soigne presque tous les maux. On le sait très bien, ça a été interdit. Le rapport Flexner est arrivé. Ils ont tout bloqué, ils ont fermé toutes les herboristeries de France. Ils ont tout éteint depuis ce jour-là. D'accord? Ça date pas d'aujourd'hui, c'est d'hier. Là maintenant, c'est maintenant qu'il faut agir, de suite. Espèce de complotiste, va. Arrêtez, quittez mon live, monsieur, quittez, ça suffit. Merci à toi, Benjamin. Merci. Allez, bon courage. Toi aussi. Putain, complotiste. Oh, extinction. Rébellion. Extinction. Rébellion. Extinction. Je vous entends pas. Rébellion. Bon alors comme je vous avais dit, hein, bah là ça pleut, voilà. Regardez, un parapluie jaune fluo, magnifique. Mais ça n'empêche pas les gens de faire la fête. Salut. Des ballons, ça eux. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu ce que c'est les gens? C'est un ballon avec de l'eau. Il y en a un là. Il y en a un là. C'est le deuxième. Il y a. Allez, on peut dire que c'est un con. Ou une conne qui est en train de balancer des bombes à eau sur les gens, quoi. Mais je vais essayer de filmer ça. Ouais. Nous allons enquêter, les amis, nous allons enquêter. Inspecteur Bzema. Salut à toi. Regarde. Soit c'est eux. Il n'y a que trois fenêtres ouvertes.
qui est le coupable. Ah, c'est lui. Regarde, il a fermé sa fenêtre. Donc c'est donc lui qui... Hein, les plus gênés s'en vont, comme on dit. Donc, 1, 2, 3e étage. 3e fenêtre au 3e étage. Voilà. Enfin, je veux pas balancer, mais c'est la 3e fenêtre au 3e étage. Voilà. Nous avons terminé l'enquête. Nous pourrions rentrer dans le bâtiment, chercher le numéro de la porte pour finalement remonter au nom de l'individu. Enfin, nous n'allons pas aller jusque-là. Là, il y a... Là, les amis, il y a du monde. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, je déconne. Mais blague à part, il fallait que je sois un peu sérieux. Il faudrait que je vous parle un peu de la mobilisation, de l'ampleur, etc. Bientôt. Allez, cours, Forest, cours. Toi, Franck. Ouais. Hop là. Allez, nous nous positionnons donc. Ah, si vous regardez le live de Thierry, vous m'avez vu passer en boitillant, clopinant. Ce n'est pas la grande forme aujourd'hui. Alors en termes de mobilisation, puisque c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est assez impressionnant. Il y a pas mal de gens aujourd'hui, il faut dire que là ça blague pas quoi. Voilà, hein. Cordon de police, encore une fois, pas... C'est pas bien. On peut aller en centre-ville. Je sais grimper là-dessus. Là. Putain, c'est mouillé. Bon allez, c'est un répartiteur téléphonique. Allez. Salut Dominique, salut à tout le Québec. Ça j'ai la main dégueulasse. Bah. Ah, qu'est-ce que je fais pas pour vous, hein, franchement. Hein. Pour vous donner les meilleures images pixelisées de toute la manif. Allez, nous sommes donc, les amis, nous sommes à Toulouse, c'est Gemma. Vous êtes en direct sur la chaîne Direct Gemma. Je filme pour vous la contestation, regroupement de deux cortèges entre les toughers qui sont partis du palais de justice
Nous avons abondamment suivi et commenté cette manifestation. Cette liberté qui meurt et qu'il revendique. Regardez un fumigène noir. Et puis là, une contestation un petit peu plus, j'ai pas envie de dire organisée, mais portée par des organisations diverses de la société civile et les partis politiques, qui est le parti de l'Arche Marengo, et les deux se sont rejointes à Jean Jaurès, et désormais tout ce beau monde est en train de marcher ensemble. Parce que tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Plusieurs milliers de personnes dans ce cortège. Contestation importante, un temps d'arrêt qui est désormais marqué. Manifestants, je crois, regardent en direction du centre-ville et de... Regardez la BAC. Et nous voyons faire le pied de grue. Policier qui était en train de prendre en photo vidéo les manifestants. Salut! Et voilà, comme d'habitude, les forces de l'ordre, un petit peu, ont leur part de célébrité durant le cortège. Hein, beaucoup de manifestants qui photographient. Allez, n'hésitez pas à partager mon live sur vos groupes, vos pages, vos profils personnels. La censure qui frappe, la vraie censure. Vous pouvez le vérifier, comparant le nombre de partages, le nombre de likes des lives que je fais ces derniers temps, comparé à ce que ça a pu être avant. Et là, il y a les publications diverses. Hein, j'ai publié une information. Avez-vous suivi l'affaire de... Ouais, vas-y. Avez-vous suivi l'affaire GameSpot? Non, GameStop. Maison mère de Micromania. Les gens qui ont... Les gens comme toi et moi, quoi, qui ont acheté l'action de GameStop parce que t'avais un fonds vautour qui voulait tuer l'entreprise parce qu'elle va pas bien, etc. Le délire, je sais pas si vous l'avez vu, je peux vous en parler le temps que la manif avance, ça avançait. Et je trouve ça assez énorme, et je trouve que c'est vachement gilet jaune. Mais c'est gilet jaune à la bourse, quoi. Alors les gilets jaunes à la bourse, ça donne que les fonds vautours, ils sont arrivés sur cette action et ils ont parié à la baisse, quoi. Ils ont dit cette action, elle va baisser. Et pour ce faire, il y a un mécanisme à la bourse qui est très vicieux, qui s'appelle les paris à la baisse, à la vente à découvert. Ça signifie que tu dis que tu as une action et que tu vas la vendre. Salut à toi. Quand je te parle tout à l'heure. Salut. Je te retrouve. Ça veut dire que tu vends une action? Je sais pas. Ah ouais? Ok. Ouais, merci à toi. C'est-à-dire que tu dis que tu vas vendre une action et tu fais comme si tu la possédais, mais en fait tu la possèdes pas. Et comme tu es sûr que l'action va baisser, au bout d'un moment tu devras acheter cette action, mais tu l'achèteras à un prix plus bas.
que le prix que tu l'as vendu alors que tu ne l'avais pas encore. Je me suis mal exprimé. Admettons, tu as une action, elle coûte 10 euros. Toi, tu dis, je la vends à découvert. Donc en gros, il faudrait que tu l'achètes 10 balles. Mais en fait, tu ne l'achètes pas. Tu attends que ça baisse. Genre, l'action, elle passe à 8 balles. Bon, bah là, tu l'achètes. Sauf que tu l'as vendue à 10, en fait. Parce que tu l'as vendue au moment où elle était plus haute, même si tu ne l'avais pas, quoi. Mais le délire, donc tu t'es fait 2 balles dans l'affaire. Je sais pas si t'as compris. J'espère. Mais le délire dans ce mécanisme, c'est que si l'action ne baisse pas, mais qu'elle monte, bah quand tu devras acheter l'action, cette fois-ci tu empocheras pas une différence, mais tu devras payer. Si l'action tu l'as vendue à découvert 10, mais qu'entre-temps elle est montée à 15, et bah 10 moins 15, ça fait moins 5, tu devras perdre, tu devras payer 5 euros. Et c'est ce qui s'est passé. L'action coûtait GameStop a coûté genre 5 balles. Et les gens, ils en ont eu marre. Ils se sont dit, allez, faut acheter. Et ils l'ont fait monter à 500 dollars. C'est-à-dire que le fonds vautour, au lieu de se faire du blé, il a dû payer 495 dollars l'action. Ils les ont baisés. C'est pas ouf, ça? Les gilets jaunes à la bourse. Et bah comme quoi on peut niquer les fonds quoi. Spéculatif. Regardez les gens. Donc c'est ce que je. La techno. Bon pas mal de gens, peut-être pas trop fini parce qu'on est un petit peu près. Mais regardez cette masse de gens, c'est absolument ouf. Plusieurs milliers de personnes. Avec dans le fond l'international, la techno, les cuivres. La guitare électrique, c'est absolument ouf, il y en a pour tous les goûts, tout le monde. Allez, je descends. Merci. Là où c'est... Là où tu vois que effectivement le système il met en place de la censure et des moyens de protection, c'est qu'ils ont empêché après les gens d'acheter l'action, quoi. Ah ouais, vous êtes en train de nous niquer là, les gueux là. Vous avez pas le droit de nous niquer là, c'est interdit ça. Donc maintenant vous avez plus le droit d'acheter l'action GameStop là, c'est fini. Je t'entends pas. Ben dis Macron, non, on est là. Pour le retrait de la loi sécurité globale. Salut à toi. Ah, écoute, on est là, on t'entends quand même. Faut bien. Ouais, ça va. Et vous, comment vous allez tous là? On est là, c'est bon. Ouais, toujours les mêmes. Toujours les mêmes, ouais. La rue.
énormément de gens aujourd'hui. En manifestation. C'est super gueule parce que j'étais un peu comme ça là. Ouais, parce qu'il faut que je gère là, l'image et c'est pas évident toujours. L'image et le son, ouais, surtout l'image pour le coup. Et aujourd'hui, nous sommes samedi 30 janvier 2021. Manifestation assez impressionnante. Le peuple est dans la rue. Il est sorti massivement. Oui, je sais, ça en déplaira à certains qui, vous qui avez un petit peu peur du coronavirus. Oh, le coronavirus. Bon, bref, eux, ils ont pas peur. Dans la rue, tout ça, geste barrière, le masque, tout ça, ça va, t'inquiète. Respire. Ça va bien se passer. Plusieurs milliers de personnes. En gros, le thème, c'est liberté. Liberté avec un grand L. Contre la loi de sécurité globale, tu sais, c'est cette fameuse loi qui interdirait aux gens comme moi de diffuser des images de la police. Bon là, il n'y en a pas autour de moi, mais si jamais, tac, il devait y en avoir un qui apparaît, je serai avec cette loi. Eh bien, hors la loi. Hop, là je filme. Ah ça y est, je suis hors la loi. J'ai filmé la police, hop, hop, hop. Pas assez, plus autorisé. Donc c'est assez triste. L'utilisation des drones, il faut le rappeler. L'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'identification faciale. L'intelligence artificielle, je viens de le dire, mais les computers, les serveurs informatiques, la Skynet. Alors je déconne un peu, mais presque pas en fait. Hein. Bon. Vous avez également la TOF, les toughers qui sont là, avec leur camion, avec leur bonne humeur. Vous avez des organisations qui se battaient d'ailleurs justement contre la loi de sécurité globale, des organisations politiques, qui ont voté contre ce texte à l'Assemblée nationale. Je pense que il va y avoir la France Insoumise, je crois, j'ai vu leur banderole, j'ai vu. D'autres gens, voilà. Il y a les syndicats pour souffrir, j'ai vu beaucoup de drapeaux. J'ai assez peu vu la CGT, mais je veux pas dire de bêtises. En tout cas, c'est l'espèce de collectif un peu assez nombreux, tu sais, qui est contre cette loi. C'est une inter, je sais plus, une inter quelque chose, je sais plus comment on appelle ça. Et vous avez également les toughers. En marchant, finalement, je me suis laissé emporter par mon élan et je suis à 200 mètres en avant de la manifestation. Je sais pas jusqu'où on va aller comme ça, en tout cas, on se dirige lentement mais sûrement vers Arnaud Bernard. C'est une manifestation très vivante, très joyeuse, c'est agréable, tu sens que les gens. Content d'être là, quoi. Vraiment. Il y a quelque chose qui se passe. Bien évidemment, je n'en ai pas parlé, mais les gilets jaunes ont rejoint. Je vais filmer ça, regardez. Vous voyez les gilets jaunes? Vous voyez les petites taches jaunes au loin? Les petites taches jaunes, les petits pixels jaunes, parce que je suis très très loin, moi, maintenant. Et ils sont là, à l'avant, toujours courageux, fidèles à leur engagement. Pouvoir d'achat, liberté, RIC, etc. Hein, c'est ça, les gilets jaunes, c'est. Les gens qui sont pas contents parce que la vie est dure pour eux, quoi. Ils ont pas voix au chapitre non plus, donc pour ça, ils veulent le RIC, ils veulent dire mais non, cette loi, on n'est pas d'accord, celle-ci, ok, il faudrait faire ci, il faudrait faire comme ça. Garde ton masque. Bah oui, je garde mon masque. Hein. Je garde mon masque. Et plein de gilets jaunes sans gilet. Eh oui. Ah les amis, pas que. Voilà. Comme ça.
crois que je suis un peu mouillé en fait. À voir avec ce groupe du chef Teto. Allez, j'attends un petit peu. Bonjour. Oui et non, en fait le nom c'est toujours Direct Media par Toumabine, mais tout ce qui est image c'est Direct Gemma, ouais. Voilà. Ouais, pour changer un peu quoi. Faudra aussi que ça soit sur YouTube et sur Facebook, ça soit pareil aussi. Ah d'accord. Voilà, pour ça. Tu veux dire un mot un petit peu? Faut t'interroger. Va t'interroger. Bonjour Odile Morin. Bonjour. Donc vous êtes des tutoyés, on ne sait pas de toute façon. Oh, bah, perdu, hein. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la mobilisation d'aujourd'hui? Ben moi je suis contente de voir du monde et de voir la jonction des différents mouvements. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème sanitaire, mais il y a un problème de liberté. Et ce n'est pas, on ne réglera pas le problème sanitaire par la coercition. On le réglera par la prévention. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Ouais. Oui, et toi? Il y a tout le monde, ouais. C'est impressionnant. Peut-être. Ah ouais? Ok, carrément. À faire, c'est qu'on va se mettre de ce côté-là du trottoir. Toujours la même, toujours la même, toujours la même. Alors, évitez de publier n'importe où, vous faites tut le monde avec vos tut qui n'ont pas de rapport avec les groupes. Ok, vous êtes abonné, merci. Bon, Michel Toto abîmé, hein. Quoi à voir avec ce groupe? Alors moi je ne sais pas, Michel, quel est ton groupe? Ma foi, mais tu viens ici dans le chat, dans mon chat, de manière très énervée et agacée, avec beaucoup de malveillance et beaucoup de mauvaises ondes. Je te demanderai de te calmer. Et ma foi, si tu es modérateur d'un groupe, ça donne pas envie d'y aller, quoi. Hein? Alors ici, on est sur une page où on filme en live l'actualité, et plus particulièrement l'actualité sociale à Toulouse.
Donc en ce moment, il y a un mouvement social qui est en train de se dérouler dans la rue. Vous avez plusieurs milliers de personnes qui défilent. Le mot d'ordre, c'est la liberté. Les gens en ont marre. Non pas la liberté parce qu'ils sont enfermés. Ce n'est pas de ça dont on est en train de parler. On parle de gens qui ont décidé de manifester et qui manifestent déjà depuis novembre-décembre 2020 contre la loi de sécurité globale. Une loi qui va interdire de pouvoir diffuser des images de policiers, de forces de l'ordre. Et donc, toutes les images qu'on a pu voir de bavures policières ne seront plus diffusables. Ou alors au risque et péril des diffuseurs. Le croche-patte, interdit. Si c'est passé place de la République, il y a eu un croche-patte aussi, l'étoile de tente arrachée, interdit. Le mec qui diffuse ça, en tôle avec la loi. Tout ce que vous avez pu voir, Michel Zecler, le média qui diffuse ça, en tôle. C'est plus autorisé, ça sera plus possible avec la loi. Ça, les gens ils sont pas ok avec ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans la rue, ils disent non, ce projet de loi on n'en veut pas. Dans le projet de loi, tu as lu la légalisation de l'utilisation des drones pour observer, ficher les gens. C'est-à-dire que là, concrètement, la police, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser 2-3 drones, ils vont survoler la manif et ils vont prendre des photos de tous les gens qui sont dans la manif. Vous avez également une possibilité de fichage des gens. Il va y avoir une utilisation plus massive de la reconnaissance faciale. Vous avez plein de trucs qui sont pas sympas. Ça s'appelle la sécurité globale. À la base, c'était un texte qui avait pour but d'encadrer les pratiques des boîtes de sécurité privées. Et donc, dans le premier volet de la loi, il s'attache à encadrer donc les boîtes privées, à redéfinir un petit peu ou à élargir les missions, pas les missions, mais les possibilités et les outils utilisables par la police municipale. Et je crois qu'ils refont des trucs aussi pour la police nationale. Ça a été rajouté avec toutes ces lois. Il y a aussi des trucs qui sont plutôt bien vus par la population, comme l'interdiction de vente des mortiers d'artifice. Bon, voilà. On peut en penser ce qu'on en veut, voilà. Mais ça a été rajouté après, c'était pas le but premier de la loi. Donc les gens sont contre. Vous avez également des toughers, des gens qui sont pour les free parties, la fête libre, et qui sont pas contents que certains de leurs camarades aient été vraiment pointés du doigt par les médias, par la justice, par les gens accusés de transmettre le virus parce qu'ils ont fait une fête au 31 janvier, au 31 décembre, pour le premier de l'an de cette année, quoi. Et ils ont été criminalisés, ils risquent 10 ans de prison, ceux qui ont organisé ça. Bon, on rappelle qu'il n'y a pas eu de propagation du virus, particulièrement en Bretagne, hein, qui était le lieu d'organisation de la fête. Hein. C'était vers Rennes. Donc voilà le but de la page. Après, on diffuse un peu d'actualité sur Toulouse aussi, on diffuse aussi beaucoup d'informations sur les médias. Alors d'ailleurs, en information média, ce dont je peux vous parler là, c'est que vous avez la ministre de la Culture qui a demandé de vérifier, qu'on vérifie l'agrément du journal France Soir. Ils ont le droit d'avoir cet agrément? Est-ce qu'on ne se serait pas trompé par hasard? Et le cas, ils auraient... Ils pourraient leur retirer et voilà. Ça date d'hier, ça. Où êtes-vous? Donc on est à Toulouse. Salut Maya. Et on arrive vers la place Arnaud Bernard. Allez, on va attendre que le cortège arrive tranquillement. Les amis, je vais vous laisser, je vais faire une pause. Je vous reprendrai pour un autre live plus tard. Oh tiens, avant de puter, je vais vous filmer ça. Ça y est, qu'est-ce qui se passe là?
liberté, ça se défend. Montrer. Bon, la manif ne fera pas un pas de plus dans cette direction. Là, très clairement, le ton est donné. Sur la droite, hein, ce qui se passait. Donc derrière nous, c'est les fourgons et le camion à eau. Hein. Je te l'ai filmé. Sur la droite, ça se met en place aussi. Ah, il se continue d'arriver là. Allez, troisième fourgon. Ouais. Et là c'est... Regardez-moi ça les amis quoi. Regardez ça. Tous dans la rue les amis. Ça pixelise beaucoup, je peux pas vous filmer mais ça s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Le camion jaune il est... Très 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 loin. Et derrière lui, il y a encore plusieurs camions, ça s'étend bah, à perte de vue.
7 bibards, non, c'est à Toulouse. Mais ça me fait plaisir si tu me demandes si c'est à, si c'est à Paris, c'est dire qu'il y a beaucoup de monde. Eh oui, il y a beaucoup de monde. Regardez-moi, ça vit, ça bouge. Les petites places sur mon spot peut-être. Un peu de place, vous pouvez pas le partager quand même. Alors c'est bon, tu arrives? Allez. Qui a fait des siennes. Ah, c'est qu'il y a beaucoup de vent en fait. Se mettre en place. Là, ça se resserre sur la place Arnaud Bernard. Un cordon est en train de se mettre en place. Vous voyez que les fourgons sont de plus en plus nombreux. Problème de stabilité, les amis. Mais... Vous voulez commencer à Macarena ? Alors que vous voyez, il y a un sapin qui est... Voilà, hein. Vous avez demandé de mettre une bête en position. Vous êtes là pour
c'est imminent que ça va péter là. Je suis en train de chercher mes lunettes. En train de s'équiper, vous voyez, ils mettent les casques. Et on a des mouvements de fourgon là, ils sont en train de se mettre en file. L'attaque est imminente. Tu peux le tenir. Qui bouge un petit peu, je remettrai le stabilisateur tout à l'heure. On a beaucoup de fumigènes qui sont en train de s'allumer. Ah, c'est chaud là. Derrière moi. Ça fait la fête encore. Et du monde à perte de vue encore. Regardez, on n'en voit pas le bout. Donc allez, le petit point flic trafic. Donc là c'est Arnaud Bernard, voilà, il y a un cordon qui s'est mis en place, assez forte présence policière. La BAC, j'ai perdu vue la BAC, je sais pas où elle est. Derrière nous, mais là aussi on a le cordon avec le camion à eau. Tranquillement, du coup.
du côté des minimes, ça se met en place. Nous, on vient des boulevards. C'est ouf tout ce monde qu'il y a. Je sais pas trop comment ça va évoluer. Vous tous qui nous rejoignez, n'hésitez pas à partager ce live. Il y a des petits problèmes de censure. De censure. L'algorithme il nous fait des misères là. Moi j'ai vu personne sans masque hein. Moi, je sais pas trop ce que tu dis Pascal Lagarde. Désolé pour le vent parce que je suis quand même assez en hauteur sur un rond-point. Donc on a dû faire un petit peu en mode 4x4 pour grimper jusque là, mais du coup on a quand même pas mal de... Vous avez actuellement une belle vue sur le ciel de Toulouse. Oh, je déconne. Ça fait plaisir, ça rebooste. Ouais, plaisir, tu vas rebooster.
Regardez. Désolé, j'ai des petits bruits. On est... Ça se voit à peu près... Qu'est-ce que je dis ? C'est à peu près tranquille là, de ce côté-là. Nous, on est à l'arrière. On était postés ici. Hein ? Et vous voyez que c'est fumigène sur fumigène. Fumigène rose, fumigène noir, fumigène bleu. Il faut que je recharge mon... Je vais quand même essayer de remettre mon stabi. Les amis, si ça va tanguer, c'est la dernière fois que ça tangue, j'espère. Je le remets, allez. Hop, il est là. Je le cale. Hop, je fais le niveau. Je l'allume. Ouais, non, c'est mort, ça marche plus. Bon, bah, je vais finir la manif à la main. C'est la misère. C'est la galère. Dites-moi si vous entendez bien le son quand je suis comme ça là, parce que du coup j'ai l'impression que je suis en train de boucher un micro. Si ça marche bien, c'est bon. Qu'est-ce que tu me dis, l'armée, tir à vue, hein? Beaucoup de monde aussi à Paris, place de la République, avec de la musique, super. Ah, c'est génial, ça fait plaisir. Il y aura des nouvelles de la place de la République. On va se rapprocher de... cet endroit là. Oui, le son est bon. Ah, parfait, c'est cool. Ouais, commence à y avoir vraiment pas mal de... d'unités. Donc le micro est en train de saturer méchamment quoi.
sont trans. C'est un truc de ouf. Alors là, c'est tout à l'heure, tu m'as dit que mon micro il grésillait, là, ça devrait être encore le cas. Oh, je vais essayer de... Mine de rien, et la NAS qui se met en place lentement, mais sûrement, que tout au fond là-bas, tu vois les CRS qui sont en train de remonter avec leur fourgon à l'arrière du cortège. Et je vois pas mal de gyrophares, il y a un camion en haut aussi. J'essaie de me rapprocher, après je vais zoomer pour te montrer ça. Sound Sono Techno. Attends, je vais te montrer le papier. Un monstre, c'est une entité ou une créature dont l'apparence, voire le comportement, surprend par son écart avec les normes d'une société. Un monstre est un être vivant, un organisme de conformation anormale. Réveillons le monstre qui est en nous. Ça c'est... T'as vu, c'est le collectif Mixar Miris qui a édité ça, enfin du moins des gens qui sont dedans. Et finalement ce qu'on leur fait payer, c'est qu'ils sont pas tout à fait entre guillemets dans la norme, tu vois. Faut que je m'écarte de la musique. Attends, je vais m'écarter, tu vas voir.
on a retrouvé la BAC, mais je peux pas vous la filmer. On en est dans une rue là, par là. Là. Je défends ma faux liberté. Aux observateurs et observatrices de l'égalité publique de dénoncer les dérives du maintien de l'ordre. Schéma national qui, à l'opposé des doctrines européennes, accentue l'escalade des violences entre policiers, gendarmes et manifestants, à l'opposé de la désescalade promue par nos voisins européens. À Toulouse, on nous promet des policiers facilitateurs entre police et manifestants. On verra bien. Mais déjà, commencez par retirer les forces de police non formées au maintien de l'ordre. Nous dénonçons les lois contre le séparatisme qui représentent un autre coin offensé contre la liberté, visant particulièrement nos concitoyens et concitoyennes de confession musulmane, et constitue une atteinte sans précédent contre la liberté associative. La France, jadis patrie des droits de l'homme, se retrouve en 2020 au 34e rang de classement de la liberté de la presse selon Reporters sans frontières. L'ensemble de ces lois et décrets font système et menacent notre démocratie. Des rassemblements ou manifestations sont en cours aujourd'hui. Tant qu'il n'y aura pas de retrait réel de la proposition de loi sécurité globale et du schéma national de maintien de l'ordre, les actions citoyennes se multiplieront. Pour nos droits et nos libertés, nous restons mobilisés, nous ne lâcherons rien. On vous donne rendez-vous en février, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va vous appeler à faire une photo de groupe. Elle est où, Sandra? Prenez vos portables, allumez les lumières et haussez les portables vers le haut. Allumez les lumières et haussez vos portables, qu'on fasse une photo de groupe. Nous étions près de 10 000 aujourd'hui, montrons-le. Ok les amis, la situation est statique pour l'instant, enfin statique. On a eu un discours de la LDH. Et désormais, ils ont appelé les camions du Sound System à s'en aller. Salut Roland. Et voilà, en gros, bon, on est quand même dans une belle grosse nasse. Les amis, je vais couper ce live, je vous dis à tout à l'heure, je vous reprends pour la dispersion, voilà, si ça se passe mal, je vous reprends. Allez, à bientôt.